Bon Loïc, après ton premier match, on a envie de revenir à froid sur cette première sélection en équipe pro. Voilà, modestement, comment as-tu vécu déjà ce premier match de Ligue 2 avec le groupe pro? Bah, je l'ai très bien vécu. Forcément, il y avait beaucoup de pression. C'est la première contre un concurrent qui était à notre portée. Donc fallait être exigeant parce que c'est aussi des matchs pièges quand même. Il ne fallait pas tomber dedans. Après moi, je me suis dit que j'allais me donner à fond et donner le meilleur de moi-même. Ça s'est bien passé. Collectivement, on a pu avoir la victoire. Du coup, que du positif. Et on espère continuer sur cette lancée du coup. Le coach, les observateurs ont jugé ta prestation plutôt pas mal, voilà, c'est un début réussi. Oui, un début réussi, on va dire. Après, c'est, comme vous venez de le dire, plutôt pas mal. Je pense que je peux faire mieux et je vais essayer de m'en donner les moyens pour être encore plus exigeant avec moi-même et essayer de faire des meilleurs matchs si possible. Qu'est-ce qui change par rapport à ce que tu as connu auparavant, les matchs, notamment les équipes de jeunes, la réserve, il y a encore pas longtemps? Voilà, qu'est-ce qui t'a changé le plus par rapport à ces matchs que tu avais l'habitude de jouer? C'est quoi? C'est le rythme? C'est l'impact physique? Voilà, à quel niveau ça change? Oui, le rythme, c'est surtout ça déjà. Après, faut beaucoup plus d'exigences techniques parce que là, quand on perd le ballon, ça peut être très vite, très grave justement. La vigilance donc également, oui, voilà. De ne pas se faire piéger bêtement. Voilà, donc beaucoup plus d'exigences techniques. Beaucoup plus de concentration. Bah, en gros, tout ce qu'un défenseur doit faire pendant un match, bah, on doit hausser le niveau parce que c'est le niveau qu'il demande en fait. Bon, on dit que l'appétit vient en mangeant, ça te donne envie de vite redébuter un match ou vite reparticiper, de vite remettre ça en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a le coach qui fait ses choix. Moi, j'essaie de me donner à fond aux entraînements pour justement essayer d'enchaîner les matchs si possible. Le coup, justement, avant le match de Niort, disait que voilà, s'il fait venir Loïc Badé dans le groupe pro, c'est pas pour faire banquette, c'est pour, le cas échéant, qu'il soit en mesure de jouer, de défendre sa place de titulaire dans le groupe. C'est une vraie marque de confiance du coach pour un jeune qui n'avait jusqu'à présent pas joué en Ligue 2. Ouais, c'est sûr que il montre qu'il a quand même confiance, mais après, justement, comme je viens de le dire, c'est aussi à moi de montrer que. En gros, de lui remontrer qu'il a pas tort d'avoir confiance, en gros. Donc c'est pour ça qu'à l'entraînement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et après on verra ce qu'il y a ensuite. Ça, c'est intéressant d'avoir des perspectives de jouer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, les choix du coach restent les choix du coach.